Bigo, notre Bibawe, comme était commencement, maintenant et toujours dans les 7 siècles. Amen. Chez Kova, Jésus-Christ Saint-Michel, alors Babawa Abraham, alors Babawa Isaac, alors Babawa Shopa. Yagabi eti daye edaye dawa awonya enika wa laye nípa ti ògo Jésù nípa ti ọ̀rọ̀ Jésù awaraju wa baba wa ya mímọ́ ẹ̀mí mímọ́ kó sọ̀kalẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí a mọ̀ tí àwọn ayé gbà forwaju orúkọ Jésù ẹ sọ̀kalẹ̀ ẹ wá yẹ àmì mọ́ agbára rẹ kó sọ̀kalẹ̀ nínú ìjọ yìí orúkọ Jésù Olúwa wa àmín 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 orúkọ Jésù. Je m'appelle Suprême Oli Shabi Bolatin Siméon. Je suis né à Savin. Mon père, qui a fait que j'ai connu l'église du Christianisme Céleste. J'ai connu l'église en difficulté par le biais de mon papa Chabi Amos. C'était à 85 à Sabel. Mon papa était un homme spirituel. Lui aussi, il a connu l'église par des difficultés. Mais il était à l'église, il a connu l'église avant moi. Et c'est en 85 à Saveur qu'on a révélé qu'il a un petit enfant à qui il a l'étoile. Donc j'étais à Saveur. Et mon papa m'a appelé. Mon village natal, c'est à Lafia. Quand j'étais à Saveur, j'étais arrivé là-bas. Et on m'a dit de tout faire pour le baptême. J'ai fait le baptême. Et c'est là que j'ai connu l'église. En 86, je lui ai dit. 86. Je suis venu à Cotonou ici. J'avais des problèmes de santé. J'étais submergé. J'étais envoûté. Mais si vous me voyez aujourd'hui devant vous en train de parler, je rends grâce, premièrement, au feu pasteur, au Chopa, qui a fait que je suis ici en train de parler. Sinon, je devais mourir. Et aussi, je rends grâce au pasteur actuel, Papa Adeogun. Je le rends grâce aussi. Aussi, Papa Lachimi, tous les dignitaires de l'église, en particulier de la région de l'Atlantique, notre pasteur, qui est là, Papa Kiki Toussaint. Et aussi notre président de la sous-région, Annette Homer, je les remercie beaucoup. C'est par le biais que je suis ici à présent. Parce que quand j'ai connu l'église, j'étais un peu submergé, l'église m'a guéri. Je prends un peu en arrière. Je suis là. Mon grand-père c'était un douanier, je suis là. Je suis le seul dans ma famille par rapport à ma santé. Il m'a autorisé de faire le baptême et l'Esprit Saint. On fait le baptême en l'année 86-87 par le. J'étais à Konsombo, devancier Tégor Denis, c'est lui qui m'a fait le baptême de l'Esprit Saint. J'ai connu l'Esprit Saint, à commencer par le secouer. Jusqu'à présent, j'étais guéri. Et je rends grâce à Dieu et de Chopa qui a amené cette église pour pouvoir sauver les pauvres. Nous sommes les pauvres. Je disais bien, si ce n'était pas l'église céleste, j'allais déjà mourir. Parce que les parents ne voulaient pas, ma femme ne voulait pas, me soit vivant, malgré que je suis l'enfant unique à ma maman. Maman s'appelle mon parent Odjo. Elle est féticheuse. Elle a fait son chemin. Donc je suis l'enfant unique à ma maman. Chemin faisant, j'ai commencé par la force de vision de faire les travaux spirituels. Et en 2013, Dieu m'a amené à cet emplacement qui est la paroisse en Polois de Cotonou. C'est le 13 août 2013 que nous avons connu ici. Et sur le 13 août 2013, nous avons une révélation terrible. Nous avons qui? Ma femme et moi, elle aussi est visionnaire, s'appelle Marianne Abako. Nous jetons ici, nous avons une vision terrible. Et cette vision, Dieu ne choque pas. Nous a dit de ne rien dire à quelqu'un. L'Esprit Saint a interdit toutes les révélations que nous avons montrées ici. Nous a dit de ne pas rien dire. Mais nous avons fait des enregistrements sur la carte mémoire. Et chemin faisant, je suis ici. On faisait la prière. Ici, on implore Dieu comme toute personne. Mais ce que nous avons à vous dire ce matin, avant d'aborder un peu le sujet, nous rendons grâce aussi à votre maison aussi, c'est-à-dire la prospérité de Daniel. Nous vous remercions beaucoup, puisque nous sommes indexés. Je pense que cette indexion, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que moi, nous ne vous connaissons pas, mais vous nous connaissez. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, c'est par votre biais. Le monde entier veut nous voir, veut nous écouter. Parce que jusqu'à présent, même le PDG, même je ne le connais pas. C'est lui qui me connaît par WhatsApp. Et voici, nous sommes ici aujourd'hui. Devant vous aussi, en train de parler. Devant le monde. Donc nous vous remercions aussi la chaîne. Que Dieu va développer aussi votre initiative, votre possibilité Daniel TV et tous les personnels. Après cela, nous sommes ici, nous avons trouvé un peu de difficultés. Les difficultés que nous avons trouvées, mais moi je ne vois pas comme difficultés. En dessous de la difficulté. Mais si tu es un élu de Dieu, si le signe de Dieu est avec toi, je pense que tout ce que nous avons de subir, donc ce n'est rien devant Dieu. Je sais que c'est Dieu qui m'a permis de venir ici. Il y a les gens qui ont des moyens, il y a les gens qui ont tout, mais Dieu ne leur a pas donné la santé. Nous rendons grâce à Dieu que nous sommes ici devant vous en train de parler aujourd'hui. Donc nous sommes ici. La difficulté que nous avons trouvée depuis la création de l'église, je pense que ce que moi je vais dire, je n'ai pas la liberté comme avant. Je n'ai pas la liberté, c'est la première difficulté que moi je trouve. Il y a beaucoup de difficultés que je ne voulais même pas énumérer ici. Mais nous rendons grâce à Dieu. Nous n'avons pas la liberté. Avant, on était un viveur, on faisait la vie, on nous appelait le sapeur. Mais aujourd'hui, nous sommes privés de tout ça là. Donc la maison de Dieu est notre maison. Tout ce que nous faisions avant, on regarde la télé, à 6 h du matin, on n'a pas le faire. Depuis 2013, je n'ai plus jamais regardé la télé. Je vous le dis, depuis 2013, je n'ai plus jamais regardé la télé pour dire que sur la télé, puisque je n'ai pas le temps. C'est la maison de Dieu, c'est la paroisse ici, qui est ma maison, là où je dors. Je dors plus à la paroisse, plus qu'à la maison. Donc avant, je vois que c'est un peu une difficulté pour moi, mais ce n'est pas une difficulté. Les choses de la vie ne m'intéressent plus, l'habillement ne m'intéresse plus, aller boire ne m'intéresse plus, aller danser ne m'intéresse plus. Mais comme elle a dit, dans son verset, le verset 4, que je préfère rester dans la maison de Dieu jusqu'à l'éternité. tel est mon souhait. Et à tout moment, je suis ici. Je suis privé de ces choses-là. La maison de Dieu est ma maison. Donc que Dieu soit avec nous. Donc après cela, nous sommes ici, on est en train de faire la prière. Nous rendons grâce à Dieu. Les conseils que nous allons dire aux gens dans le monde entier, le conseil n'est pas une personne, ni pasteur, ni évangélique. Nous, les musulmans, nous, même les qui se disent que c'est eux qui sont les précédents de ce monde-là. Le conseil n'est pas jamais personne. On ne peut jamais de grandir. Et qu'il faut que nous aimons notre Dieu sur la droiture. Il faut que nous nous aimons d'abord. Si nous ne nous aimons pas, on dit qu'on aime Dieu. On se trompe. Il a dit on ne se moque pas de Dieu. Dans Galate 6:7, on ne se moque pas de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'on se moque de Dieu. Tous qui disons que nous, on adore Dieu. On se moque de Dieu. On met Dieu devant. Mais on fait autre chose. On n'a pas l'amour du prochain. On n'a pas la charité. On n'a pas la crainte de Dieu. Donc, nous demandons à nous tous qu'on n'a qu'à laisser tout ça là. L'amour, le premier amour, c'est l'homme qui est devant toi. L'homme que tu vois, c'est lui qui est le premier homme, qui est ton premier Dieu. Tu n'es pas ton homme qui est avec toi, ton prochain que tu vois. Et tu vas dire que tu aimes Dieu. Ce n'est pas le fait que tu es le pasteur, ce n'est pas parce que tu as des moyens, tu as l'argent, tu finances, tu fais ce que tu veux que tu as un paradis. Il y a quelqu'un que moi j'ai suivi un jour. J'ai suivi ça un jour. Et sur WhatsApp, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que la personne a de l'argent. Il a des milliards, il a des millions. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand son papa est décédé là, il est allé faire quoi? Il a mis le papa au cimetière. Il a climatisé le cimetière. Climatiser le cimetière pour papa. Peut-être, quand le papa là, était vivant là, il ne s'occupait pas de lui. Mais le jour que papa est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a amené au cimetière. Il a fait cimetière climatisé. Moi, je me suis dit que cimetière climatisé là, c'est pas ça que ton papa boit le paradis. Hein. Moi, j'ai dit ça. Ce qui va faire que tu fais le paradis là, c'est toi-même ici là. Peut-être même, ce qu'il a fait même, il va boire la chaleur là-bas parce qu'il a été le juger. Le père vivant ici. Or, ce que le papa a fait, il ne sait pas. Peut-être il a tué les gens. Peut-être il a fait de mal aux gens. Peut-être il n'a pas aimé les gens. Et on y joue, meurt, on climatise son tombeau. Donc, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut l'amour du prochain, de le servir avec un cœur. Aujourd'hui, on a vu que le monde ne s'intéresse pas à ça. On dit qu'on adore Dieu, on met des choses dedans, on prend des talismans, on voit des choses pour dire qu'on ne va pas mourir. Non, laissez tout ça là. On n'a qu'à laisser tout pour se donner à Dieu avec un cœur propre. On doit nous aimer, laisser les choses. Dieu a dit laisser les choses mauvaises, nos comportements, la haine, la jalousie. Dieu nous demande de laisser ça, de se conformer à lui seul. Même si tu fais gris-gris, tu fais protection, ce n'est pas que tu vas mourir. Tu peux avoir des milliards, laissez tout. Le riche qui déclare de l'argent et qui ne connaît pas Dieu. Et son Dieu, c'est son argent. C'est son argent. Laissez un jour, le riche va tomber à l'épreuve. Le riche va tomber malade un jour. C'est le jour-là qu'il va connaître Dieu. Dès que tu vas aller le voir, le saluer à l'hôpital, tu vas voir la Bible dans sa main. Mais quand Dieu va le faire le miracle, il serait guéri, il va oublier ça. Il va dire que c'est lui qui est le Dieu. C'est son argent qui est Dieu. C'est son argent qui est le tout. Tout ça là, c'est éphémère. Le seul Dieu, c'est le Dieu de Shofa. C'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu qui a créé tout, qui a le pouvoir d'arracher et de donner. Donc, nous rendons grâce à tout le monde. Mais, nous avons des révélations que Dieu ne nous a pas permis de parler pour le moment. Nous avons des révélations sur l'Église dans le monde entier. Et Dieu nous a dit de ne pas parler pour le moment. Je pense que si le a sonné, on aura ces révélations, puisque nous avons fait des enrichissements. Que le Seigneur soit avec nous et que nous bénisse et que nous fortifie. Et de laisser les mauvaises prières, de laisser la haine, de laisser le châtiment et de se donner à Dieu unique. Car il a dit que Jésus reviendra autrement. Effectivement, Jésus va le bénir. Et ce que j'ai aussi à vous dire, à dire aussi, à l'endroit de l'église, on veut répéter le 70e anniversaire de l'église. Je pense que Dieu nous demande de se repentir, de laisser. Le temps est arrivé. L'heure est déjà arrivée. Nous ne sommes pas des grands à l'église céleste, mais nous avons appris que, oui, l'Esprit Saint avait dit que hein, le successeur, dans un peu de temps, il va arriver. Il va arriver. L'église sera unique. L'église aura une seule tête dans le monde entier. Ce jour-là, on va commencer par courir de gauche à droite. Ce jour-là, on va commencer par fuir. Ce jour-là, ceux qui vont te dire pasteur, on ne va pas les voir. Donc, on a qu'à laisser le Dieu seul agir. Le Dieu seul agit. Et bientôt, il va agir. Par la grâce de Dieu. Nous vous remercions beaucoup. Le but 16 que j'ai lancé en rendant le jeune, moi je suis un jeune. Nous sommes tous des jeunes. Le message à lancer est que on n'a qu'à avoir la crainte de Dieu. D'abord, le jeune va avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu là doit commencer par chaque chargé. Avant de faire le baptême à n'importe quel jeune, des règlements de l'église. Qu'est-ce que, comment on doit se comporter? Comment on doit laisser les choses que nous faisons avant, les choses charnelles, on doit avoir le respect pour les dépenser. Aujourd'hui, n'a plus de respect dans l'église céleste. Les jeunes n'ont plus de respect. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont aucune formation. C'est ça, ils n'ont aucune formation. Hein? Et puis je reviens en arrière pour dire que le conseil que j'ai même à dire à l'endroit des jeunes aussi, c'est aussi à l'endroit du foyer. Parce que quand le Dieu a parlé dans Timothée, 1 Timothée 3, a dit que un bishop, il doit éduquer, il doit d'abord éduquer sa maison. L'éducation là doit aller d'abord à chaque famille. Tu dois éduquer ton enfant dès sa naissance. Si toi le papa tu n'es pas exemplaire, si toi le papa tu sors, toi le papa tu frappes ta femme, tu ne donnes pas à manger, toi le papa tu as des bureaux, toi le papa tu vas au service le matin à 7h et le soir, l'enfant ne te voit pas, peut-être te voit, tu reviens tardivement à 3h du matin. Comment les enfants peuvent recevoir l'éducation? Donc le conseil doit répartir à l'endroit de chaque foyer. On doit éduquer nos enfants. Dès leur naissance, le papa doit être exemplaire. La maman et le papa doivent avoir de l'entente, une union entre eux. Mais si le papa de chaque maison ne n'éduque pas son enfant, et les enfants grandissent à leur manière, tu ne peux pas dire à ton enfant d'aller à l'église. Si tu es musulman, ton enfant va dire il va te suivre. Si tu es catholique, ton enfant va te dire il va te suivre. Si tu es chrétien céleste, ton enfant va te dire il va te suivre. Aujourd'hui, nous avons connu des chrétiens et des pasteurs qui ont leurs enfants, ils ne peuvent pas même éduquer leurs enfants. À la maison d'abord, avant de venir à l'église. L'éducation, c'est à la maison d'abord. Chaque foyer doit éduquer ses enfants d'abord, avant de dire des confessions religieuses, catholiques, protestants, évangéliques. Donc l'éducation doit quitter d'abord dans la maison. Tu dois pouvoir éduquer ton enfant à la maison. Et pour éduquer toi, tu dois être exemplaire. Il a dit, Jésus a parlé dans Matthieu 5, 13. Nous sommes le sel du monde, le sel. Et si le sel presse à sa bête, si toi, le papa, le maman, tu ne peux pas parler, éduquer ton foyer, comment tu peux éduquer? En tant que chargé, tu peux venir éduquer les gens, les jeunes à l'église. Toi-même, le chargé, tu n'es pas exemplaire. Toi-même, le pasteur, tu n'es pas exemplaire. Tu ne peux pas éduquer tes enfants. Et tu veux venir éduquer le monde? Donc l'éducation doit, c'est d'abord à la maison. Chaque foyer doit éduquer ses enfants. Ce côté ce n'est pas bon. L'habillement, les habillements, aujourd'hui nous voyons les habillements aussi, on connaît tous les habillements. Les jeunes s'habillent. Mais toi, le moment où tu es là, tu vois, ton enfant s'habille d'une manière qui n'est pas bon, on voit des pelles derrière, et toi, le moment, tu es content. Tu ne peux pas éduquer ton enfant. Toi, pourquoi tu vois ça? Tu ne peux pas éduquer. Ce que tu fais, mon enfant, ce n'est pas bon. On a vu les enfants de pasteurs qui font ça. Donc, l'éducation, c'est à la maison d'abord, avant de venir à l'église. Et de venir à l'église, toi, le chargé, en tant qu'un berger, en tant que pasteur, nous disons que nous devons avoir la rigueur. Pour épargner ce genre de choses, c'est la rigueur. Sans la rigueur, rien ne peut pas évoluer. La rigueur va avoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous permet d'avoir la rigueur. Et de la vérité à nos enfants, à nos jeunes. Donc, l'éducation que nous avons à dire aux jeunes, donc c'est l'éducation qui doit quitter d'abord à la maison. Dans chaque foyer d'abord, avant les petits de venir à l'église. Et toi, sur le chargé aussi, le berger aussi, qui doit être un homme exemplaire pour pouvoir éduquer d'autres personnes. Donc, Dieu soit avec nous. Et le message que nous avons à lancer à l'endroit de ceux qui me disent, qui critiquent d'autres personnes, pas en particulier notre église. Ce que nous avons à dire à tout cela, Dieu n'a qu'à nous pardonner. Puisque toi qui dis que telle église n'est pas bonne, toi tu es bon. Celui qui dit que telle église est mauvaise, lui il est mauvais, lui il est bon. Répondez-moi. Celui qui dit que telle paroisse est bon, paroisse est bon. C'est la seule paroisse, Dieu ne regarde pas. Ce n'est pas l'église céleste qui va l'amener au paradis, mon frère. Ce n'est pas l'église céleste qui va nous amener au paradis. Ce n'est pas le catholique qui va nous amener au paradis. Ce n'est pas le musulman qui va nous amener au paradis. Toi, ce que tu fais là, ta compassion là, toi qui es brûlé là. C'est ça. Toi là qui juge la paix d'une autre personne, toi qui es bon. Donc, tous ceux qui disent ça là, ils disent. Parce que nous, on a tout ce qu'il dit là, ça ne nous fait pas peur. Si nous regardons l'Ancien Testament, on a regardé sur l'Ancien Testament aussi, comment les gens ont critiqué. Mais Dieu avait envoyé Moïse dans la terre, en Égypte, il a allé sauver les enfants d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé? Comme Dieu a aimé la terre Israël, qui est notre église céleste, il nous dit. Si nous référons en arrière, quand Dieu avait envoyé Moïse vers Pharaon, pour aller sauver les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez bien. Ils sont dans les malheurs. Mais quand la traversée, Dieu a parlé à Moïse, la mer s'est fendue en deux, et les enfants d'Israël sont rentrés dedans là. Et les ennemis sont tombés, sont chutés. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? En marchant dans le désert, ils ont dit qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de leur Dieu là. S'ils savaient, ils allaient rester encore en Égypte. C'est ce comportement là est encore à nos actuels. Je ne sais pas si c'est 20e, nous sommes au 20e siècle ou 19e siècle. L'homme est toujours comme ça. L'être humain est toujours comme ça. La critique. Donc ce que moi je vois là, c'est là où la lumière. C'est là la force, c'est là la puissance, c'est là où on est là pour détruire ce chemin-là. Donc ceux qui critiquent là, on n'a qu'à laisser. Dans un peu de temps là, Dieu fera. Et ça va aller par la grâce de Dieu.